j'espère que vous allez bien. Je me dirige vers le marché. Je pars faire mes courses. S'il y a moyen, je vais vous filmer. S'il n'y a pas moyen, vous allez voir seulement ce que je vais acheter à la maison. À bientôt. On n'a pas envoyé ma facture. La saline n'a pas ma facture. Les enfants ne sont pas là, maman, j'ai des charges. Ils sont encore à l'école.
Je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté des pH. J'ai acheté des baguettes. J'ai acheté aussi des œufs. J'ai acheté les œufs. Une boîte de mayonnaise, Rico.
savon pour se laver avec les mains. Et puis ça. C'est 6 boîtes. La poudre ici, j'utilise ça pour le visage de mes jeunes filles, parce que quand ils ont l'air période, ils ont tendance de faire sortir des petits boutons au visage. Alors on applique ça ici pour les aider que les boutons puissent pas apparaître au visage. J'ai acheté 2 boîtes. Une histoire pour la toilette. Arrondi. Ça, c'est pour les assiettes. Si tu achètes les liquides, on va renverser tout dans la douche, on ne va même pas faire des jours. Donc c'est mieux ça, même si on va laisser ça dans l'eau, mais ça va quand même tenir. On utilise ça ici. Et si c'était ouvert, c'est renversé, je sais pas. Pour les vitres et le meuble. C'est le lait. Donc, une fois quand ils partent à l'école, je mets l'insecticide les avant-midi pour les moustiques. Et le soir, on met la moustiquaire. Donc, pendant la journée, je mets ça quand ils ne sont pas là. Donc, le matin. Et à nuit, on met maintenant la moustiquaire, ils dorment sous la moustiquaire. Ça, ce sont les jus des enfants. Quand je croyais que c'est qu'il y a des lits, mais j'ai pris ce qu'il y a la composition de chocolat. Les enfants n'aiment pas vraiment ça et ils aiment bien ce qu'il y a des lits. J'avais dit de me donner ça, mais je n'ai pas compris comment me donner ça ici. Il faut dans les magasins, c'est compliqué. La pâte, le spaghetti. Notre retour des courses. En tout cas, il y a hausse des prix. Donc, il faut savoir gérer bien les histoires à la maison. Pas de gaspillage. Parce que la vie devient de plus en plus dure. Donc, il faut savoir comment gérer ce que Dieu nous donne. Pour que les enfants ne puissent pas rester affamés ou soit qu'ils restent à la maison parce qu'on n'arrive pas à payer les minéraux.
Donc, nous devons tenir les coups en mettant notre foi en Dieu. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Et puis, ça, ce n'est pas tout. On doit encore faire pour les vivres frais. C'est pourquoi nous devons compter seulement sur la grâce de Dieu. Parce que si nous mettons notre foi dans le matériel, en tout cas, on sera dessus. Que le Seigneur nous aide.